Le glisseur, le brancher. Vas-y, Loulou, comment ça fait? Loulou, fais bien, s'il te plaît, parce que toi, là, vraiment, voilà, quoi. Hein. Je vais mettre tranquillement. Hein. Oui, mais t'es un petit peu nul, quoi. C'est pour ça que je te donne des conseils. C'est très lourd. À cause de moi, tu commences peut-être à devenir un futur, peut-être un futur coiffeur. Enfin, grâce à moi. C'est pas droit, hein, l'arrêt. T'as pas besoin que ce soit droit. Oui, mais elle est pas droite, elle est sur le côté. C'est le rail, en fait. C'est le rail. Qu'est-ce que tu racontes? Le rail, c'est pas tout le temps droit. Là, c'est pas, il faut pas que ça soit droit. T'as dit que ça soit droit? Non, je veux pas, parce que c'est pas le modèle. Voilà, toi, tu veux que ça soit comment? Sur le côté. Sur quel côté? Ici ou là-bas? C'est déjà sur le côté. T'as juste à suivre ce qui était déjà tracé. Loulou, ça m'inquiète. C'est bon? Mais c'est bien tracé là parce qu'on voit pas bien. Hein. Retrace pour qu'on voit bien. C'est pas ma musique du tout. Tiens, faut peigner. Je me décoiffe jeudi. Non, vendredi. C'est vendredi que je me coiffe. Mais attends. Oui, mais tu peignes mal. Il faut peigner plus fort et plus vite. Plus fort. Et plus vite. T'es là, on dirait que tu caresses. Le super lisseur. Aïe. Ça sert à rien d'enfant une police, toujours c'est comme ça. Hein. Mais je me suis fait mal. Ouais, mais parce que c'est tout ça pour moi. Tout ça, tout, c'est ça ton problème. Super méchant le mec, super méchant. Je me fais super mal. Du harcèlement, de l'acharnement. Non, tu veux pour les satellites? Pourquoi qui dit que je veux pour les caméras? Bah oui, tu veux pour les caméras, pourquoi? Tu penses que moi j'ai vu pour les caméras? Je te prends pour qui? Bah pour Awa. Et ma bague, tu as les... Ah oui. T'as mis la bague. Mais tu me l'as pas donné en tout cas, la bague. Sérieux? Oui, je te jure, tu me l'as pas redonné. Attends. Mais on a remonté comment? Un pro reste toujours un pro. Tu es un forfait. Amanda, elle va m'embaucher. Elle va m'embaucher. Ouais, on va dire juste le collage des perruques encore. Il te reste ça. Ça comment? C'est... Ouais. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Mets un peu de mousse. Il y a des mèches qui sont là. Non, là, ça doit se plaquer. Moi, j'ai compris. Voilà. Ouais, tu peux. C'est bon. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais jamais été capable de me lisser comme ça. Tout. Je ne pourrais jamais. Avec un peigne, avec mon parc. Ah,
communique dans le ska-ska. Je mettrai un peu de crayon sur mes yeux pour que... Et pourquoi ça sort pas? Waouh, mon habit. Pourquoi ça sort pas? Les... Communication que... En fait, j'ai l'impression que je me prépare mon dé. Ça me rappelle mon premier date avec Loulou. J'ai l'impression que j'allais en date. Je vais mettre un peu de fond de teint. Vous en maquillez, c'est mieux. Loulou, il m'a dit ne pas me maquiller. Donc, je peux pas, mais je vais mettre un peu de fond de teint. Mais Loulou, il a dit ne pas me maquiller. Je suis plus belle sans maquillage. Mais Loulou, il a dit non. Action. Loulou, il veut pas. Je rentre avec la banque demain. Moi, je vous dis. C'est le responsable que pour vous, madame TikTok. J'ai l'impression que c'est un bête de maquillage de mascara. Vert. Ensuite, j'essaie de mettre du bleu. Regardez. Un sac de cette couleur, parce que je prends le sac Prada. Ça. Vas-y quoi? Non, vas-y. Alors là, on va faire le sac. On va faire mon sac pour aller au restaurant. Voilà. Alors. Les bébés, c'est quoi ça encore? J'ai perdu le casser, pardon. Zombie. Ah, voilà, c'est réussi. Bravo, moi. Alors, on commence par le commencement. Tout d'abord, un piratif. Ensuite, on met ça. Ensuite, on met ça. Ensuite, on met un bleu transparent. Ensuite, on met ça bien évidemment. On met. Puisqu'on va au restaurant. Je vais m'oublier. La dernière fois, je ne vous ai pas montré parce que voilà. Si. Ah oui, ma pochette, elle ne va pas rentrer, c'est du mail. Bibi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? J'hésite. Soit le 1. Les 1 comme ça. Soit le 2 comme ça. Ou le 2. Regardez, Loulou vient de m'emmener quoi. Je rigole, il m'a ramené, c'est juste que j'ai mis mes affaires dedans. Alors je l'ouvre. Attendez. Il est là. Alors les bébés, je vous montre. J'ai décidé de porter celui-là parce que l'autre il est trop haut et je vais fatiguer trop vite. Donc j'ai décidé de porter ça. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. J'ai décidé de porter ça parce que l'autre il est trop long et je sens que je vais être épuisé hyper vite. Donc je porte ça, comme ça. Celui-là, hein. Voilà, je suis prête, je suis prête. Les bouts, j'oublie le plus important.
Voilà, voilà. Il a pris mon sage. Le truc que je mets en dessous de mes aisselles, ça s'appelle le déodorant africain. C'est une odeur un petit peu forte. Ça te permet, même si tu te laves, l'odeur va rester en fait. Et tu peux mettre des adolescents, à des adultes, mais pas aux bébés ni aux enfants très 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 petits. De 5 ans, tu peux leur mettre, et c'est tellement efficace, ça évite de l'épée. Vous voyez, il y a des espèces de odeurs qui restent, genre qui restent vrais, ou il y a des espèces des odeurs qui restent vraiment, des odeurs qui ne bougent pas, qui restent, et ça lutte contre ça en fait, ça se bat contre ça. Coucou. Hasard, il a dit qu'il va prendre le pornestar. Comment? Mais quoi? Virgil Colada. Et toi, tu vas prendre quoi, Stella? Avec tranche de bœuf fumé, cheddar fondu maison, tomate cerise et roquette. Vous en mettez deux si vous voulez. C'est quoi? Le cheddar, c'est le fromage. Ouais, c'est un fromage. Et après, t'as dit quoi? C'est quoi? Alors, fondu maison, tomate cerise et roquette. Et l'autre, la salade roca, c'est ça. Salade roquette. Salade roca, après, je sais pas si tu vas aimer. Non. Ouais. Je vais prendre le médium. C'est un hasard? Vas-y, ouais. On peut. Là, je mets pour deux personnes. Ouais. J'ai entendu comment elle est gentille, la serveuse. Juste la salade. En vrai, ça va, c'est pas mal. À part si vous voulez prendre autre chose. Vous voulez prendre une rentrée ou pas? Peut-être deux chez là pour deux personnes. Pourquoi est-ce que ça l'est? Non, tu laisses ça à côté de moi comme ça. Regardez, concentré. Jamila, t'avais pas dit que tu veux pas de beurre? Je sais pas. T'as encore eu les glaçons et de l'eau? Ça arrive. Peut-être ça met du temps, moi j'ai juste du pain. Pourquoi ton pain il est. Non, c'est ça le pain. Moi c'est lui que. Regarde. Je pars. Tu sais. Ah non, celui-là il est gonflé, celui-là il est. Propre pain, c'est trop bon. Rends mon beurre, rends mon. Et Cody se fait un régime. Je cuisinais le beurre salé. Mais non, bon, c'est là. Wow. Ah, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? La viande. Bibi, je suis pas dedans. Moi, je pense qu'on peut prendre pour 3 personnes là, comme on a pris. Mais... Il est bien. C'est ça. Pour insister, donc je goûte. C'est vraiment. Madame de la charcuterie. Ferme la salade. Il se moque de moi, lui. Regardez, on était comme des princesses. T'es sérieux, là? Un gros porc. C'est l'anniversaire de qui, là? Allez. C'est bon, la masse est pas mal. C'est bon, là, c'est bon, là. Non, mais c'est bon. Fort, hein. Ah ouais? Mais c'est bon, alors. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouh, là, là. Attends, non. Hey, tu vas le rendre à quoi? Non. Il a goûté, mais tu imagines. Il a évolué. C'est mauvais, la dernière fois, c'est pour ça. Je jure que c'est grave bon. Bah, c'est vraiment tellement ça. C'est les accompagnements. J'aime pas les champignons. Je suis pressée de voir les frites. Sacré Dieu, mettre ça sur leur viande, mais bon. Les bubiches, regardez tout ce qu'il a pris. Ce gros burger. Tu veux du cube dessus? Alors, chouchou, c'est comme moi. Allez, allez. Ah oui, j'attends.
bon. Allez, je sais. Voilà mon assiette. Loulou, regarde ce que tu as, je m'en fous de ta crème brûlée. Il est roté. Ouais. Blanc. Moi j'aime là. Moi je vais dans le jeu. Là. Moi j'aime. Ah sinon. Mais de mon bête de tout à l'heure. Un que ça, je veux. Regardez, ils ont tout dégommé. Et moi, regarde, elle a dit qu'elle voulait, elle a même pas mangé, elle a fait du gaspillage de Mila. Et je pouvais avoir des frites en échange, je pourrais les manger. Et je buvais que ça. Ils ont pris une bouteille qui coûte 18 euros, les 18 euros, arrêtez. En plus, on a pas oublié le carafe. Il a dit qu'il avait plus de carafe frais. La rue. Waouh, c'est trop beau. Est-ce que va si on peut ça. J'aime trop ça les bébés chez moi. On rentre. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis pressé que le Louis soit là en fait. Elle essaie de voler. On est comme une télé là. Jamila est en train de se caler à côté. Jamila est en train de se caler à côté. On ne la regarde pas comme une télé. Mon âme est fouillée. Je te tue. Jamila va rentrer sur ce côté là. On va se retrouver bientôt, Inch'Allah. Wesh. T'es en peinard ou quoi, c'est là? La tour Eiffel. Je suis Madame Le Fel. Là, on va rentrer. Toilette. Alors, les bibiches. Du coup, là, je vais me déshabiller et tout, me mettre en pyjama. Regardez. C'était trop bien. C'était un peu la meilleure soirée que j'ai passée, on va dire, un petit peu. Parce que c'était trop bien, en fait. Faut que j'enlève mes crayons et tout sur mon visage. Donc on va faire le démaquillage ensemble avec un petit storytel. Alors c'était trop bien. Oh my god, il faut que je vide mon sac. Ça je l'ai eu aujourd'hui, je suis partie avec aujourd'hui. Oh là là, c'est trop adorable. Comment vous dire? Déjà je commence par ma bague. C'est trop bien avec les filles, franchement. Et je suis trop content d'avoir une vie sociale. Genre, vous savez pas à quel point ça me change en fait. Et de compter d'être avec des personnes sans d'esprit, pas des trucs bizarres, pas de reproches tout le temps, pas de leçons de morale. Chacun fait ce qu'il veut, personne contre personne, tu vois. Tout le monde est libre et responsable de ce qu'il fait. Franchement, ça me fait énormément de bien. Énormément de bien. Mon chinois. Je vais me donner un peu à hasard, mais ça fait énormément de bien. Vraiment de bien. Franchement, je vous conseille d'avoir des groupes de potes sains autour. C'est un très bon conseil. Ça vous étude même parfois les dramas et tout. Ouais. On commence par quoi? On me fait un accueil d'arc. On me fait un accueil d'enfer. Demain, il faut m'encaborer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, demain, le programme, c'est la banque, cabaret, botte. Ensuite, le programme de vendredi, sans mandat, une nouvelle coiffure. Vous avez donné votre avis. Mais dans votre avis, imagine, vous pensez que, attendez, la personne qui trouve, même moi, je ne sais pas ce qu'Amanda va faire. La personne qui trouve ce qu'Amanda va faire comme coiffure. Oh là 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 là. Franchement, sera trop forte. Voilà, je vais essayer de deviner ce qu'Amanda va me faire comme coiffure. John est arrivé. Je suis arrivé en retard, comme d'habitude. Ensuite, on a pris les cocktails, après les entrées. Vous avez vu, on a pris les plats, on a pris le dessert, c'est trop bien. On a regardé notre facture.
Ce soir, on a pris tous ensemble, c'était pas cher du tout. On a partagé entre nous et c'était vraiment pas cher. C'était vraiment, vraiment pas cher, on partage entre nous. Alors, ça c'est en fait l'écran que j'ai mis là, c'est l'écran que Loulou m'a acheté pour mon anniversaire. Tu pars pas normalement avec de l'eau, donc j'espère qu'il va pas faire ça. Sinon, à part ça, comment allez-vous? Moi, j'ai passé une super journée. C'était trop, trop bien. Ils m'ont tellement chouchouté. Ils nous ont chouchouté plutôt. Parce qu'ils m'ont même chouchouté les filles. Et c'était super gentil avec eux. J'ai kiffé. Franchement. J'ai trop, trop kiffé. Trop pratique. Je l'ai acheté sur Shine en plus. Si vous voulez, je peux vous mettre la ref. Mais il est trop bien. Ça fait dessus une fois et tout, ça monte ton truc. J'ai acheté sur Shine. Mais les bébés, s'il vous plaît, pitié, aidez-moi pour les bottes, s'il vous plaît. Je fais des bottes comme des chaussettes. J'ai une collection de bottes. Donc, et mes cyclistes et mes leggings et tout, je vais commander sur Shine. D'ailleurs, je vais faire le commande d'hiver. Des colis d'hiver. Les outfits d'hiver. Que je fasse ma valise par contre, parce que samedi on se barre. Je fais ça. Je vide mes sacs. Parce que demain, je sais pas, je vais prendre encore mon sac. Mais je le vide. Parce que je vais prendre les sacs de tout tard, la vérité va être là. Moi, je vide toujours tous mes sacs. Comme ça, c'est bon. Je fais. Ça a sauvé Candice aujourd'hui. Hein. Voilà. Ça, c'est les sacs que je vends. Enfin, le gloss, c'est fort. C'est pas du tout agréable. Je suis fatiguée aujourd'hui. Total. Voilà. Baby Mish. Et là, je suis tellement énervée. On dirait même pas que c'est que pour du thème. Je pense que c'est déjà énervé de base. Parce que je suis dans un état. Même moi, j'arrive pas à comprendre ce que j'ai. Parce que je... Est-ce que vous m'avez déjà vu manger du thé du blanc? Je mange jamais de thé blanc. Et moi, je peux manger du thé blanc tous les 10 ans. Avec de la viande grillée en plus. Sans le poulet, je mange jamais avec du poulet. Quand t'as un mari, il est censé te connaître. Enfin, celui qui va chercher tes commandes tous les jours, tu vois. Et celui qui sait ce que tu manges. On te donne du thé blanc pour ta femme. Tu te poses pas des questions. Tu dis, bah écoute... Ah ouais, on ne prend pas de thé blanc d'habitude. Donc, je lui demandais, je ne comprends pas pourquoi vous avez mis du thé blanc. Logique. Ça, en fait, c'est un truc logique. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur ça ou de te... C'est logique. Moi, d'habitude, je sais que tous les jours, lui prend un burger. Aujourd'hui, j'arrive, on me donne du burger vert. Je n'ai plus lui demander. On m'a quand même donné du burger, mais ah, c'est du burger vert. Est-ce que toi, d'habitude, tu prends ça aujourd'hui, tu veux prendre ça? C'est logique. Mais le mec me ramène ça. Genre, il veut que je fasse quoi avec ça, là. Toi, tu m'as déjà vu prendre du thé blanc, wesh? Ouais, j'ai pas regardé avant. J'ai pas regardé, hein, franchement. On avait déjà parlé de l'histoire du restaurant en live un jour. Je vous ai dit que quand vous êtes dans les restaurants de chez vous, faites semblant de manger moins. C'est-à-dire que vous ne consommez pas beaucoup. Mais quand vous rentrez chez vous, vous chauffez le riz, vous mangez. Et là, moi, je suis dans le cas où je ne peux pas chauffer mon riz et manger. Donc, je suis très frustrée, en fait. Très, très frustrée et énervée. Alors. Nous avons pourquoi on ne vient pas. Tous les deux. Non. Je préfère dire que je sors en fait, simultanément. Arrêtez de sortir avec moi sans froid et tu crois toujours. Quoi? Incroyable, gosse. Et ce mec ne peut pas se retenir. Mais ton père était une grande. Peut-être. Quand tu étais. Coucou les bibis, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais super bien. Alors là, je dois m'habiller pour aller à la banque. J'ai rendez-vous à 11h. Il y a trop de vent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de robe, il n'y aura pas de cycliste. On va porter un legging. Donc,
Let's go pour regarder les leggings. Au niveau des hauts, il faut que je prenne un haut manche longue. Je vais prendre ça. On va voir ça ensemble, ok? Ça, ça va pas rester comme ça, mais c'est de faire un truc avec. Je suis pressée aujourd'hui, en fait. Vous en pensez quoi de mon haul? Les gars, bien. Je suis tellement pressée. Idée à quel point je suis pressée, quoi. Moi, je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. Je viens de me réveiller il n'y a pas du tout longtemps. Je me suis couchée super tard. Je me suis levée super tôt. Je suis épuisée. Je suis éternuée cette semaine. Franchement, félicitations à vous et courage à vous. Parce que là, on chine la semaine comme ça. Bravo et félicitations à vous. Franchement, tous mes respects. Parce que je sais pas comment vous faites, hein. Mais moi, j'ai déjà mal au crâne. Regardez, mes yeux sont à moitié rouges. Regardez. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de dormir, mais là aussi, plus tous les jours, je sors, j'enchaîne. C'est... J'ai pas l'habitude, en fait. Je suis hyper épuisée. C'est être en retard. Vous me voyez comme ça, mais je suis quelqu'un, je déteste être en retard. J'aime pas ça. Du coup, là, je vais porter des bottes. Je vais vous montrer, je vais porter comme bottes. Il y a trop d'eau. Beaucoup. Le jour, je vais m'acheter des chaussettes d'hiver plus longues. Parce que là, ça, c'est mes anciennes bottes. Je veux des bottes comme ça, mais en plus jolies. L'autre aussi. Merci, Loulou. On peut dire ça, hi, hi, très beau, ça se marie bien, le rouge et le marron se marie très bien, nada. Vous voyez les gens qui font des snap shopping là, genre ils mettent tout et tout, et t'es là, ah. Là Loli vient de quitter Lidl, de partir acheter genre pour moi et des croissants beurre. Et il a rencontré des filles. Tu vois, si on veut, on peut appeler ça comme ça. Un peu d'éducation, s'il vous plaît. Vraiment, un peu d'éducation. Quand vous voyez quelqu'un, c'est Loulou n'est pas votre ami. C'est pas votre pote. Un peu d'éducation, revoyez-vous. Quand vous voyez mon mari, un minimum de respect pour lui. Parce que, en fait, il y a certaines personnes que je commence à ramasser maintenant. Parce que, en fait, tu vois quelqu'un, on est dans un centre commercial. C'est-à-dire, on est dans un lieu public. Comporte-toi bien, oui. Un peu de comportement, t'es là, tu te comportes comme une sauvage. Pourquoi vous faites ça en fait? Il y a des enfants, des mineurs, limite, qui font ça, je peux comprendre. Mais des grandes mamans comme ça, des tantines comme ça, qui se comportent comme ça, mais genre. Berk. L'éducation et le respect. J'étais prête à vous ramasser. Je sais que là, vous allez regarder ma story. J'étais prête à vous ramasser, mais c'est Loulou qui n'a pas voulu. Hein. Bien comme il faut. Parce que ce genre d'annerie là, de pas de comportement, pas savoir se comporter, ça va pas avec moi. Ça va pas marcher avec moi. Hein. Moi, si t'as un certain comportement avec moi, je te remets à ta place tout de suite. Hein. Moi, je vois comme je vais pas te laisser passer. Hein. Devinez quelle communauté fait ça? Après, je vais encore parler, on va dire, ah ouais, ouais, elle est comme ça, ouais, elle est insolente. Vous avez vu? En fait, quand les gens font les choses, il faut dire telles qu'ils sont. Il ne faut pas faire des zigzags, là. Hein. Moi, je ne suis pas zigzag, hein. Moi, je ne suis pas dans vos zigzags bizarres. Moi, je suis cash, je vais être honnête. Et devinez quelle communauté fait ce genre de zannerie encore, ce genre de comportement, ce genre de dégueulasseté, en fait. Devinez encore une fois qui fait ça? Allez, je vous l'ai deviné, bien sûr, bien évidemment, qui ne va pas se comporter. Ah, ouais, là, là, ah! Wesh, c'est quoi? Vous êtes des griots? Vous êtes des griots? Je comprends pas. Est-ce que vous êtes des griots? Non, les filles, expliquez-moi là. Vous êtes des griots?
Mais depuis, je respecte le bien éduqué. Par contre, depuis que j'ai dit, ah, coucou, Awa, tu vas bien? Je vais avoir. Au début, je dis, ah, coucou, loulou. Bonjour, loulou, tu vas bien? Est-ce que Awa, elle est là? Très respectueusement. Pourquoi pas? Là, donc là, je serai même une scène délicate, tout ce que vous voulez, tu feras, il n'y a pas de problème. Ne me dérange pas. Vous voyez? Par là, des gens comme si c'était votre chien, comme si c'était à votre service, je ne suis pas votre chien. Je ne suis pas votre chien. Je ne suis pas votre gosse. Il faut changer la manière où vous adressez aux gens. Il s'agit de ça en fait. Il s'agit de ça. De changer la manière où on s'adresse aux gens. Sa manière où on se comporte. C'est important. J'ai ça trouvé un modèle. Ok. Bibi. 42 francs, c'est déjà. Aussi. En courte. 21. Vas-y, c'est comme ça, vas-y, ça va passer. Hein. Ouais. Alors. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le kiffe trop. Je l'ai trop, regardez. Alors les bébés. Regardez-les. Ha ha ha.